Hello les Knackers, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis au camping du Städtli à Röschwog. Je vais passer la journée au Pays Rhénan, un petit coin d'Alsace que je commence à bien connaître maintenant puisque j'y vis depuis quelques mois. J'ai dormi cette nuit dans ce pod, un petit cabanon au bord de l'eau. C'était super agréable. Et l'été, vous voyez, est enfin arrivé en Alsace. On va passer la journée au Pays Rhénan pour découvrir toutes les activités qu'on va pouvoir faire dans ces prochains mois. Et justement, Christine m'attend pour le petit déj. On y va! Alors Christine, là, le cadre, il est vraiment très très chouette dans ce camping à Röschwog. J'ai découvert les pods. Mmh. Pourquoi vous avez fait ce choix de mettre des pods et des petits chalets là dans le camping? Alors ici, le camping du Städtli, c'est un camping qui a été repris il y a quelques années. On voulait le moderniser. Et la tendance actuelle, c'est de proposer des hébergements légers de loisirs. On voulait un petit peu se démarquer. Et donc on a décidé de faire des méga pods. On en a 6, dont un qui est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Et c'est vraiment sympa parce que quand tu tournes d'un côté, tu as la forêt noire, de l'autre côté, tu as le plan d'eau. À partir du camping, déjà, on peut louer des vélos. Ok. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir faire des différents circuits qui sont accessibles pour toute la famille. Il y a des circuits qui vont faire 5 km, d'autres qui vont faire une trentaine. Et donc moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve un petit peu plus tard, après avoir pris notre petit déj, pour une petite activité sympa, rafraîchissante, j'en dis pas plus. J'ai trouvé le point de rendez-vous, c'est l'essentiel. Et tiens, voilà. Dis donc, tu as changé de tenue, tu es t'as vu, en mode ranger. À la Indiana Jones. Eh, j'adore. En train de Sophie. Ok, voilà, enchantée. Bonjour, enchantée. Qui va nous emmener pour une balade sur la Modère. En canoë. En canoë, voilà. La Modère, c'est une rivière calme qui est en arrêté de protection biotope entre Drusenheim et Neusel. Donc la nature est protégée et le canoë est limité aussi au niveau de la pratique. Donc là, ma société H2O Passion, ça fait 15 ans qu'on a ouvert, qu'on propose de la location de canoë sur la Modère. Et cette année, on a fait aussi une charte de conduite voilà, pour respecter mieux la nature. Mais alors du coup, vous avez différents points d'eau. On était au Städtli ce matin. Alors, comme son nom l'indique, le Pays Rhénan, on est au bord du Rhin. Donc, c'est un pays où l'eau est prédominante. D'accord. Donc il y a énormément de gravières, mais aussi donc, des anciennes gravières qui ont été réhabilitées en zone de loisirs, en plan d'eau de baignade. Donc tu peux te baigner de façon surveillée et sécurisée en été. Et à Gamsheim, donc, cette zone de loisirs, en fait, elle est très très dynamique parce que tu as toutes les associations qui font la restauration le midi et le soir pendant tout l'été. C'est toujours hyper animé aussi. Ouais, c'est vraiment. On aime faire la fête au Pays Rhénan. Le point de rencontre estival. Ouais, si tu veux, t'as pas besoin d'aller sur la Croisette. Saint-Tropez au Pays Rhénan. J'adore. Ah ben tu vas voir, je te réserve encore une surprise pour tu l'arrêtes la soirée, pas. Tu verras. Alors Céline, cette dernière surprise. Ah ben là, tu me gâtes. Hein. Franchement, si on m'avait dit que je boirais un verre de cidre de chez Sauterre, quand même, hein, local, sur le Rhin, au coucher de soleil, finesse, j'aurais pas cru. C'est incroyable. Ben, tu vois, on a des sacrés trésors quand même au Pays Rhénan. C'est clair. C'est l'or du Rhin qu'on va d'ailleurs boire et déguster. Écoute, ben, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je te propose de trinquer. Ouais. Au Pays Rhénan.